dans la tête de l'autre, là. Tu sors pas l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu sors pas François Pirette. Je dis non, moi, il me faut rien. Par contre, pour mon nouveau camarade de chambre, j'aimerais bien GPS. Oui. J'en ai un nouveau, Pino, qui s'appelle. Pino, ouais. Et on l'a mis avec moi parce qu'il est désorienté. Si ça arrive à partir d'un certain âge, les gens ne connaissent plus leur gauche de leur droite, tu vois. Et lui, c'est grave parce qu'il ne connaît plus le haut du bas non plus. Il ne peut pas se moucher devant les enfants parce que quand il se trompe, c'est embêtant. Tu ris, toi, mais... Non, mais c'est un problème d'orientation. Il a perdu complètement le sens de l'orientation. Pour un homme, c'est grave. Pour une femme, c'est normal. Mais... Oh, ça va, hein. Oh. Non, mais c'est embêtant. Par exemple, quand on sort de notre chambre, les toilettes, c'est à droite. Et à chaque fois, il va à gauche. Mais ça fait déjà trois fois qu'on repeint l'ascenseur. Donc, le bourgmestre lui a acheté un petit GPS et on lui a mis autour de son cou. Et tout est programmé hein, quand il doit faire pipi. Hein. Il sort, je suis très GPS en ce moment, vous avez remarqué. Il sort, et, attention, après le cabinet du docteur, tournez à gauche. À gauche! Non, faites demi-tour. Là, vous pissez sur la jambe de l'infirmière. Oui, parce qu'en plus, il est dur d'oreille, mais... Donc, j'ai demandé un GPS au bourgmestre pour Pino, parce que quand il est arrivé au mois de juillet, il était tout content qu'on avait une TV dans la chambre, comme ça, il a pu regarder son émission préférée. C'est toute la moitié du mois de juillet, tu sais, c'est l'émission qui passe en France, là. Allez. Non, l'émission où tout est truqué d'avance. Le Tour de France, exactement. Encore un Américain qui a gagné, ça va, hein. Il n'avait déjà pas assez appris avec l'autre, Armstrong, là. Combien de fois qu'il l'a eu? Six fois? Sept fois? Sept fois! Tu aurais bien dû se douter, hein, Armstrong. C'est pas normal, hein. Et un homme qui marche sur la lune, qui joue de la trompette et qui gagne sept fois le Tour de France, tu ne vas pas me dire qu'il ne prend pas quelque chose, hein? Et c'est comme ça que j'ai appris que mon camarade Pino, c'est un ancien coureur. C'est un ancien champion, ah oui. Et alors, comme maintenant il est désorienté, il ne peut plus faire de vélo parce qu'il en fait encore. Donc j'ai dit au bourgmestre, mettez-lui un GPS sur son vélo. Je lui en ai mis un, c'est moi qui lui ai mis. Et alors, je lui programme moi-même. Quelquefois, je fais des blagues. Comme aujourd'hui, par exemple, je suis inquiet. J'aurais pas dû lui mettre Liège-Bastogne-Liège. Parce que, en plus, la course est aujourd'hui, tu vois. Je suis inquiet parce que j'ai entendu à la radio, c'est lui qui a gagné. C'est lui. Ah ben le voilà! Oh, Pino! Alors, ça a été? Oui, ça a été, oui. Je suis content. T'es content? Oui. Mais écoute, j'étais inquiet de ne pas devoir revenir. Oui, entendu à la radio, c'est toi qui as gagné. Ben oui, c'est moi qui ai gagné. T'es arrivé premier? Ben oui, ben, c'est-à-dire que les autres qui sont arrivés avant. Ils ont passé au contrôle pipi et ils sont tous disqualifiés. Donc c'est moi qui reste tout seul. Là. Moi, j'ai passé en au contrôle. On arrive le dernier, bon. Il gagne encore. Ça, c'est Pino Serrami. Hé! C'est mon nouveau camarade. Mais attends, Pino, on a le même âge. Toi, quand t'es arrivé, je t'ai demandé de pisser dans le machin. T'as encore été? Ouais. Ah non, monsieur, cet homme-là est un héros. À son âge, il arrive encore à pisser sur commande. Mesdames, messieurs, Pino Serrami.
est à vous à être sur la plus haute marche du podium, Pino Cerami. Pino Cerami, je ne lui demande pas son autorisation, je vais vous dire son âge parce que je le connais, il a 84 ans, Pino Cerami. Je vais vous dire pourquoi j'ai rêvé un jour dans ma vie de me retrouver sur une scène, même un très court instant, avec Pino Cerami. C'est parce que je suis du Borinage. Au Borinage, j'ai joué beaucoup dans un petit village qui s'appelle Wamuel. Et c'est là qu'il y a le grand prix Pino Cerami. Ce monsieur qui est devant vous a l'honneur d'avoir un grand prix qui est aujourd'hui une classique cycliste qui porte son nom, c'est Pino Cerami! Et Pino Cerami, lorsque je l'ai appelé il y a une dizaine de jours en disant « Monsieur Cerami, vous viendriez faire ne fût-ce qu'un petit coucou dans un sketch avec moi ?» J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase, il a dit oui tout de suite. Je crois que Monsieur Pino Cerami, c'est un grand bonhomme. Dire que quand j'étais petit, je ne l'aimais pas du tout, il ne le sait pas, je vais lui révéler maintenant. Parce qu'à Wamuel, j'aimais bien m'amuser avec mon vélo à Wamuel. Et le seul jour où on pouvait pas, quand on était gamin, sortir à vélo à Wamuel, c'est quand il y avait le Grand Prix Pino Cerami. Et c'est le seul jour où le camion de crème à la glace ne passait pas, parce qu'il y avait le Grand Prix Pino Cerami. Monsieur Pino Cerami, sans rancune, et merci, merci mille fois de nous avoir fait l'honneur de votre présence, monsieur Pino Cerami. Quand je suis arrivé sur terre, on ne savait pas mettre un nom. Faut croire que j'avais de la l'air, sans doute de faire mon mouson. Au moment qu'ils décidèrent, le marchand père est passé. Pour moi ce fut salutaire, on m'a mis le nom du boulanger. Une tartine, donc café, c'est un grand oui, c'est un grand goût. Une tartine, donc café, c'est mon repas préféré. À toi. Faisons qu'on vin mélange, que me paraît disait tout dit. Comme d'astou et neuf au songe, mon Dieu qu'il a l'air rassi. D'arrivez-vous est aussi ronde, corps du peignon majeau. Les miettes cahiers de l'tombe, comme un pouilleux, le picoro. Un tartine au café, c'est un grand oui, c'est un grand goût. Une tartine au café, c'est même pas préféré. À toi. Bonjour qui m'arrivera le pire. J'ai mis de ma volonté. Quoi? Un ciel qui voudra me baigner. Ouais. C'est avec un tartine au café. Allez. N'y a de pleurs, n'y a de soupirs. Et y a combien de regrets. Mais combien tous mes désirs. Et maintenant, la écorce bleue. Hey. Un tartine au café. C'est un grand oui, c'est un grand bon.